Les démarcheurs que notre ami David Abiker finalement aime beaucoup. Bonjour David. Bonjour à vous, je suis rentré par la fenêtre aujourd'hui pour vous vendre ma chronique. Non, mais je la trouve formidable votre chronique, parce que c'est vrai qu'on a tous le souvenir du démarcheur qui allait tintinolant comme ça avec sa petite carriole. On va ranimer ce souvenir, parce que je vous entends parler là, le démarchage, ce serait un truc un peu dangereux. C'est vrai que le démarchage c'était mieux avant, d'ailleurs on est tous d'accord. Souvenez-vous de cette musique. C'était l'orgue de Barbarie, on entendait venir nous démarcher de loin dans la rue et on lui jetait des pièces par la fenêtre. Et ça faisait bling bling sur le pavé. Il y avait aussi le rémouleur, il venait affûter nos couteaux. Exactement. Sans nécessairement nous égorger d'ailleurs, sans oublier le rempailleur de chaises, le vendeur d'encyclopédies, le ramoneur, le postier, le pompier qui nous disait il faut acheter le calendrier. Mais aujourd'hui c'est fini, on a trouvé la parade. Code, digicode, interphone, hygiaphone, alarme, milice privée, chien berger allemand. On est devenu complètement parano. Maintenant, quand le ramoneur parvient jusque sur notre palier, il sonne. J'entr'ouvre la porte, je laisse la chaîne de sécurité, évidemment, et je mens, et je sors la phrase sacrée. On a déjà donné, comme ça. J'ai déjà ramené ma cheminée la semaine dernière. Je mens, et le pauvre ramoneur, il a beau m'expliquer qu'en cas d'incendie, j'aurais besoin de mon certificat pour être remboursé par mon assurance. Je lui claque la porte au nez et j'attends que ma cheminée prenne feu. Il ne faudra pas venir me plaindre. Non, ce n'est pas le démarchage qui nous fait peur aujourd'hui, c'est la paranoïa. On a peur de l'insécurité. Imaginez que l'on fasse pénétrer quelqu'un chez nous et qu'il nous prenne en otage, qu'il nous attache dans notre propre cheminée. Alors le démarchage prend d'autres formes. On nous spamme sur Internet et même les spams sur Internet, ils nous font peur. On trouve ça horrible d'avoir trop de messages dans notre boîte aux lettres. Alors on met des anti-spams comme on mettait des chaînes à notre porte et on se barricade. Alors qu'est-ce qui reste aux démarcheurs à domicile? Vous savez ce qu'il leur reste? Il leur reste nos gouttières le long des murs de nos immeubles. C'est là qu'on va nous proposer du babysitting, un massage thaïlandais, du repassage, du ménage, des cours d'informatique. C'est sur la gouttière que ça se passe, le démarchage maintenant. C'est terminé le démarchage, n'ayez pas peur, il vous abrira plus rien. Quant à Léo Noël et son orgue de barbarie, ils ont cessé toute activité en 58 et leur seul moyen d'entrer chez vous par effraction, c'est de passer par Europe 1, les amis. Dormez tranquille, bonnes gens, plus personne ne viendra vous sonner. Vous dérangez chez vous, à part peut-être les experts d'Elena Morna. Et encore, on ne vous dérangera pas trop longtemps.